Salut, salut! Aujourd'hui, je prends le départ de la Smuggler. C'est une course qui se passe en Belgique. Donc là, je suis vraiment à la frontière entre la Belgique et la France. Et d'ailleurs, ça s'appelle French Border. Donc voilà, ma monture pour aujourd'hui, vous le connaissez déjà, c'est le Cannondale Topstone Carbon 4. Et voilà, je vais vite me préparer parce que je crois que François est de retour. Ça va être le départ. Aujourd'hui, nous, on dort dans une superbe chambre, mais on avait aussi le choix de dormir sous tente. C'est quand même mi-septembre, sous tente, il a dû faire froid sur la nuit. On va aller voir ça. Voilà, on est sur le départ, donc pas encore sur le vrai départ. On va aller rejoindre tout le monde qui est en train de déjeuner sous la grande tente. Donc moi, je suis avec Apolline, qui est quelque part par là-bas, qui est aussi ambassadrice Cannondale, mais sur Annecy. On va essayer de rouler un petit peu aujourd'hui ensemble. On verra, il y a plusieurs personnes de chez Cannondale parce que c'est un événement en fait qui est sponsorisé par Cannondale. Et on verra, on s'est dit que peut-être on pouvait rouler toutes et tous ensemble, mais on ne se connaît absolument pas et on ne connaît pas notre niveau. Donc il faut voir. Et ils ne veulent pas tous partir sur la même trace. Moi j'aimerais bien faire le 150 km parce qu'il y a le choix avec 150 et 110. Et je crois que la plupart veulent plutôt partir sur le petit. Donc on verra, parce que si je veux m'engager sur le grand, bah il faut pas trop que je tarde non plus pour pas après devoir accélérer sur les 50 derniers kilomètres. Donc on va voir ça, je pense que ça va se décider dans les 10-20 premiers kilomètres. Allez, à tout à l'heure. Voilà, je vous présente l'organisateur de la course, Allô. Erwin. Bonjour. Merci pour l'invitation. Oui, avec plaisir. On va aller découvrir ça, mais d'abord, on va déjeuner ici. Et voilà, on est tous réunis. On a une première montée où on s'est un peu tous séparés. Et nous voilà de nouveau réunis. I'm in love. Then dead. Okay, sorry. It's dead. C'est trop cool, la course est magnifique, vraiment je suis complètement dépaysée quoi. Et on est au mois de septembre mais toutes les feuilles sont déjà jaunes, brunes, c'est splendide. You enjoy it? Non, il pleut pas, il pleut pas. Je crois qu'ils ont peur de la pluie. Hey. Voilà, on a fait 66 km. Il reste encore à peu près 80 km parce qu'on va faire 150 km. Et on a la chance d'avoir déjà un super ravito. Donc voilà, toute l'équipe, merci à eux. Et mes deux acolytes. Yay! Voilà, bon allez, je vais me ravitailler un petit peu et on repart. Il pleut un petit peu, mais c'est génial. C'est un peu boueux. Je suis plus tout à fait rouge, mais ça va. Allez, à tout à l'heure. Thank you.
plaisir. Il fait pas très chaud, mais c'est génial. Bon bah, ça fait que monter, descendre. Donc là, on est à 88 km. Il reste un peu plus de 60 km. Le temps, ça va. Il fait pas trop froid, il fait... How much? 8. 8 degrees. Now? Yeah. 11. 11. Then it's so warm. On peut pas se plaindre, vraiment. On a eu un peu de pluie, mais très très peu. C'est pas trop, y a pas trop de boue. C'est que du plaisir. Climb. Voilà, on est. Il y avait le panneau à l'entrée là, je pense que vous l'avez vu. Ça s'appelle la Crazy Climb. I don't know how much long is it, but I think it's maybe 14 or 15 percent elevation, no? Peut-être 14 ou 15%. Yeah, 15. On l'a déjà fait, mais là, ça glisse un peu quand même. Donc voilà. C'est trop beau. Donc là, on est à 105 km à peu près. Donc il reste un peu moins de 50 km. La température, ça va bien. Mon corps, il va bien. Ma tête, elle va bien. Donc je prends un max de plaisir. On arrive au deuxième ravito. On est de nouveau super bien accueillis. Par contre, ils ont commandé le soleil, mais on a la pluie là. Mais bon, ils nous avaient dit à partir de midi. Je crois qu'on a de la chance, ça doit être déjà midi et demi, une heure. Et il commence seulement maintenant. Mais c'est pas vraiment la pluie, c'est plutôt de l'eau. Enfin, carrément un peu de l'orage, je dirais. Enfin, ça tonne pas, mais il commence à avoir beaucoup de vent. Donc voilà, ça fait partie du gravel. Hein. On est bien équipé pour ça, donc ça va être cool. Voilà, j'ai crevé, donc je suis en tubeless, donc j'ai pas mis de chambre à air. Mais régulièrement, je le remplis parce que le trou se ferme pas complètement et j'ai pas envie de prendre du temps pour mettre une mèche. Et là, on s'est mis avec une personne qui était un peu plus rapide que nous. Du coup, j'ai vraiment puisé dans mes réserves et là, j'en peux plus. 5 km avant la fin. Allez, à toutes. Difficile la fin, j'ai rempli mes pneus tous les 5 km, j'ai plus d'énergie. Pas so hard. I saw it. Every 5 km, pump it. Voilà, je suis propre. C'était une superbe course. Je vous montre un peu l'ambiance de la région. Là, on a la tente où on mange et tout ça. Là, on a les cuisines.
C'est trop sympa. Là, on a des gens qui viennent tout juste d'arriver. Et puis, il y a des feux de partout pour qu'on puisse se réchauffer. Donc, c'est hyper cool. Nous, on était vraiment très contents. Donc, il y avait deux parcours. Il y avait soit 110 km, soit 150 km. Donc, moi, j'ai fait le 150 km. On n'est pas resté toute l'équipe de Cannondale. Moi, je suis restée avec une des personnes de Cannondale. Et puis après, on a constitué un petit groupe. Puis en fait, on est arrivé premier. Je crois qu'il y a juste un qui est parti avant nous, enfin plus loin au bout d'un moment, parce qu'il était vraiment plus rapide que nous, en VTT tout suspendu, un truc de fou. Et voilà, donc en tout cas, je suis la première femme sur 150 km. Donc je suis vraiment ravie, très contente. Il n'y a rien à gagner, juste la satisfaction. Donc voilà, je suis satisfaite. Allez, je vous fais faire le tour.